Hello mes petits mangeurs malins, on se retrouve pour ce dernier jour de la semaine avec comme d'habitude une révision sur nos connaissances santé via l'aide des flashcards. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à faire pause pour répondre de votre côté à la flashcard. Vous êtes prêts? C'est parti! Coucou Noé, c'est quoi l'ocytocine? Hey! Alors, qu'est-ce que c'est l'ocytocine? En fait, l'ocytocine, c'est une hormone qui est présente chez tout être humain, mais plus fréquemment chez la femme enceinte lors de l'accouchement et un petit peu après. Alors, quand c'est l'accouchement, c'est pour augmenter les fréquences et peut-être l'intensité aussi des contractions musculaires. Alors là, je suis pas sûr, mais je crois aussi que ça atténue les douleurs, je pense. Et aussi pour l'allaitement, ça libère, ça aide à l'excrétion, je crois que ça dit. Enfin, la libération, quoi, du lait maternel. Je crois aussi, après, pour entrer un peu plus dans les détails, que l'ocytocine, c'est une hormone qui est libérée par l'hypothalamus. Mais après, je connais pas trop en détail. C'est assez sous-estimé, hein, quand même, cette hormone-là. Et quand on voit tout ce qu'elle procure, c'est quand même fascinant. Et aussi, on la retrouve, comme j'avais dit au début, chez d'autres personnes que la femme enceinte, comme dans des cas de liens forts entre plusieurs personnes pour la protection de sa patrie, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire ça autrement. Après, au niveau de ses effets positifs, ben, c'est un côté psychique, j'ai envie de dire, qui est très positif au niveau de l'humeur, tout ça. Et il y a même aussi des traitements à base d'ocytocine synthétique pour aider des individus comme certaines femmes enceintes ou en allaitement, enfin en allaitement plutôt, mais aussi les personnes atteintes d'autisme d'un degré plus ou moins haut. Et ça, c'est hyper fascinant. Ouais, c'est quand même assez sous-estimé, hein, je trouve, cette ocytocine-là. Ah oui, et aussi, on l'appelle l'hormone de l'attachement ou de l'amour. Donc, faites des câlins. voilà, on va passer à la vérification, c'est parti. L'ocytocine est une hormone qui joue un rôle clé dans le renforcement des liens sociaux, la reproduction et l'accouchement. En fait, l'ocytocine, souvent surnommée l'hormone de l'amour, agit comme une clé chimique libérée par le cerveau qui ouvre les serrures des cellules cibles dans le corps, provoquant des effets variés. Elle est produite dans l'hypothalamus et est libérée par la glande pituitaire postérieure. Son rôle est crucial dans les comportements sociaux et affectifs, tels que la formation de liens maternels, l'amitié et les comportements sexuels. Elle facilite également la contraction de l'utérus lors de l'accouchement et la sécrétion de lait pendant l'allaitement. Au niveau du principe de clé-serrure, ça s'applique ici dans la manière dont l'ocytocine se lie spécifiquement à ses récepteurs situés sur les cellules cibles. L'ocytocine active ses récepteurs pour déclencher des réponses cellulaires précises, ce qui orchestre ses effets biologiques. En termes d'étymologie, le terme ocytocine vient du grec okitokos, signifiant accouchement rapide, ce qui souligne son rôle dans la stimulation des contractions utérines. En médecine, l'ocytocine synthétique est souvent utilisée pour induire ou renforcer les contractions pendant l'accouchement, et aussi pour réduire les saignements après l'accouchement. Oh, ça je savais pas, c'est hyper intéressant. Son effet sur le renforcement des liens sociaux est également étudié pour le traitement des troubles psychiatriques comme l'autisme. Donc si on doit conclure tout ça, l'ocytocine est une hormone multifonctionnelle, essentielle à la reproduction, au renforcement des liens sociaux et affectifs, avec des applications médicales importantes. C'est quoi le GABA ? Alors, le GABA, aussi appelé gamma-aminobutyrique, est un neurotransmetteur inhibiteur très important dans le système nerveux central de tout mammifère, dont les humains du coup. Il joue vraiment un rôle crucial. Après, pour entrer un peu plus dans les détails, c'est un acide aminé en fait qui n'est pas, qui fait pas partie des acides aminés qui constituent les protéines essentielles pour notre organisme, mais plutôt un acide aminé qui joue un rôle inhibiteur du coup en jouant sur des récepteurs GABA A et GABA B. Je crois que le précurseur du GABA, c'est la glutamine. J'ai un trou de mémoire. Glutamine ou glutamate? Avant que j'oublie, je marque tout de suite sur une feuille quelle est la différence entre la glutamine et le glutamate. Comme ça, ça évite de se tromper à l'avenir. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. À part que,
à part qu'un déséquilibre du GABA peut engendrer du coup des problèmes psychiques ou psychiatriques, mais je connais pas plus le sujet que ça. Donc passons à la vérification, c'est parti. Le GABA, ou acide gamma-aminobutyrique, est un neurotransmetteur inhibiteur majeur du système nerveux central des mammifères. Voici quelques points clés à propos du GABA. Au niveau de sa nature chimique, le GABA est un acide aminé, mais il ne fait pas partie des acides aminés qui constituent les protéines. Au lieu de cela, il joue un rôle spécifique en tant que neurotransmetteur. Dans le système nerveux, les neurotransmetteurs peuvent être soit excitateurs, soit inhibiteurs. Le GABA est le principal neurotransmetteur inhibiteur et joue un rôle crucial dans la régulation de l'excitabilité neuronale. Il est produit à partir de l'acide aminé glutamate, par l'action de l'enzyme glutamate décarboxylase. Ok, alors ça c'est quand même très important. La production de GABA est produite à partir de l'acide aminé glutamate par l'action de l'enzyme glutamate décarboxylase. Le GABA agit sur deux types principaux de récepteurs, appelés GABA-A et GABA-B. Les récepteurs GABA-A sont ionotropiques et médiatisent des effets inhibiteurs rapides, tandis que les récepteurs GABA-B sont métabotropiques et ont donc des effets plus lents. De nombreux médicaments qui affectent le système nerveux, tels que les anxiolytiques, les sédatifs et les anticonvulsions, agissent en modifiant l'activité du GABA ou de ses récepteurs. Un déséquilibre dans le système GABAergique, Un déséquilibre dans le système GABAergique peut être associé à diverses affections neurologiques et psychiatriques telles que l'épilepsie, l'anxiété, la dépression et la schizophrénie. Donc en gros, le GABA est un neurotransmetteur essentiel qui joue un rôle central dans la régulation de l'activité neuronale et est aussi impliqué dans de nombreux processus neurologiques et psychiatriques. Prenez soin de vous les mangeurs malins et passez un excellent week-end.